Alors voici un petit résumé de notre soirée du 24 décembre. Tout a commencé par un petit récital de piano de inattendu de Mathieu qui a permis aux jeunes d'attendre tranquillement alors que tout le monde ne pouvait pas se presser dans la cuisine. Voilà donc les jeunes en train d'attendre. On les voit un peu mieux là. Et on fait une petite photo de groupe pour commencer. Les filles. Et après, donc, Mathieu, épuisé, se repose tranquillement. Pendant que les jeunes, eux, vont dans la salle répéter leur chorégraphie. Sous la direction, là, de Johanna. Puis, ils montent faire un petit tour au cas. Pendant ce temps-là, on prépare les poulets du Cantal à la cuisine. Et là, ce sont les filles qui se préparent. Mais oui, alors les poulets du Cantal et les filles qui se préparent. Bonjour. Salut. Y'a pas une autre? Si, dans la salle de bain. On retourne un peu à la cuisine. Et voilà. Ensuite, c'est le spectacle qui va commencer par... Bon, nous allons revenir un instant à la préparation avant le spectacle. Et à l'apéritif. Voilà ces demoiselles, tout en beauté. Et à la cuisine, on met la dernière main au repas, alors que Cordula se repose. Un instant. Voici donc l'apéritif. Et les uns les autres, c'est pendant cet apéritif qu'on va assister à un événement inattendu. Vous voyez cette trois personnes assises tranquillement devant le sapin de Noël et tout d'un coup un scratch. Ils se retrouvent par terre. Le vent
se scratch complètement. Venons-en donc au spectacle organisé par Sylvie et qui commence par Gaël. Attention. Qui commence d'abord un petit récital de flûte par Sylvie. Interrompons-nous un instant. Voilà, on va reprendre le spectacle. Yaël dans son numéro. Thank you.
Continuons donc notre petit tour à partir de quelques photos là, de la présentation de Yaël. Nous avons eu la présentation aussi de Johanna. Malheureusement, la vidéo n'a pas été enregistrée, mais ça a été superbe. Voilà la fin. Du numéro de jeunes. Et là, quelques vues prises au hasard après le spectacle. Luc fait des acrobaties et Johanna aussi. Puis il y a eu un petit moment de vide-grenier avec les affaires de Marie-Jo. Tout le monde s'est précipité pour essayer les affaires que Marie-Jo avait largement présenté dans la salle. Chacun a pris ce qu'il voulait. Et puis, on est remonté. Marie-Jo a présenté tous ses bijoux. Chacun a pu choisir ce qui l'intéressait. Puis on a préparé la table et on s'est mis à table. Alors, voilà le numéro maintenant des... Donc, on va voir les divertissements pendant le repas. I don't know.